Diamonds kissing, baby, how about the cool? That gets shot to keep a strap as a suit. Diamond dumber on the Molly, no rule. Shot to give it, it's coming, oh cool. Hey, salut tous les amis, c'est David Pochon. Ah non, c'est pas ça, attends. Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Non, c'est pas ça. Coucou les amis, c'est... Ah non, pas ça. Hey les amis, non. Hey, salut les amis, c'est Kazoo Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, une petite intro, what the fuck, bref. On va... Donc on est sur un serveur privé, pardon. Déjà, faut présenter, quoi. Donc on est sur un serveur privé, vraiment, what the fuck de ouf. Donc, il y en avait un autre aussi, what the fuck... Mais il a été patché, maintenant il est devenu normal. Donc voilà, je vais vous présenter ce serveur. Et donc il est il est gratuit déjà, normal. Et il y a le lien dans la description si vous voulez le télécharger, tout simplement. Voilà, cette fois il y a le lien. Je m'en fous si je me fais kick ou quoi, on s'en fout. Bref, donc c'est parti. On va déjà, je vais vous montrer les cartes. Déjà vous voyez des cartes what the fuck. Il y a les baraques. Donc je vais vous montrer tout ça dans un combat. Donc c'est parti. Donc il y a vraiment des cartes what the fuck. Donc c'est des nouvelles cartes, hein, des cartes inventées quoi. Déjà le Neutral Wizard. Et vous allez voir ce qu'il fait. C'est vraiment waouh. Vous allez halluciner, vous allez voir. Donc déjà est-ce qu'il pose? Non, il pose rien d'ailleurs. Ok. Non, c'est rien ça. Écoutez, déjà on va mettre l'armée de squelette. Hop là, vous avez c'est une armée de squelette géant. What? Le mot ça a disparu. Ok, il met une foudre. On va mettre des baraques. Et c'est quoi? C'est une cabane de barbares d'élite. C'est vraiment what the fuck ce truc. Une cabane de barbares d'élite quoi. Donc ça a même pris qu'une cabane de barbares. Wow. Écoutez, c'est pas grave. Boum. Ah, d'accord. En fait, il lâche des foudres. Le Neutral Wizard. Le canon, il tire des gobelins. Regardez. Boum. Hop, ça tire des gobelins. Et regardez comment il rafale. Regardez comment ça détruit la tour. Le Royal King, c'est comme une mousquetaire, en fait, je crois. Donc, on va voir. What the fuck? Il marche pas. Il vole. Là, il sort son canon, c'est une mousquetaire, en fait. Il n'y a pas de... On va mettre aussi la sorcière de nuit. Donc, elle a l'air tout à fait normale, mais en fait... Boum, elle sort 6 chauves-souris. Ah non, 5, pardon. Je sais pas compter. Et quand elle meurt, bien sûr, elle en sort plein. Donc, c'est vraiment abusé. Regardez toutes les chauves-souris. Donc je crois que c'est fini. Hop là, on a détruit toutes les tours. Et cimetière qui lâche des gobelins. C'est vraiment what the fuck ce serveur. Et hop là, donc, du coup on détruit la tour au KLM. Du coup on a gagné, voilà. Et je vais vous montrer d'autres cartes aussi. Donc il n'y en a pas toutes qui sont vraiment what the fuck, il n'y en a que quelques-unes. Par exemple il y a aussi la bombe. Non ça c'est la tour à bombe. Ah si, aussi la tour à bombe qui fait un truc chelou, vous allez voir. Hop. Ah oui, mais je vais prendre le mortier. Les cartes que je vous ai pas montrées, je vais les prendre. Il y a boule de feu. Oh oui, le dragon. Aussi, hop. C'est le dragon de Clash of Clans. Pour ceux qui ne connaissent pas. Enfin, vous êtes obligé de connaître si vous connaissez Clash Royale, bref. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense... Ah si, le zappy. Et la sorcière aussi. Ils sont vraiment what the fuck. Donc je vais prendre, hop. Donc la sorcière, je pense, c'est la plus cheatée, vous allez voir. Déjà, elle coûte 10. Donc c'est normal. Tout à fait. Donc on va changer contre lui, voilà. Hop, c'est parti, regardez. Vous allez voir, c'est vraiment du truc de ouf. C'est du lourd. Donc c'est parti. Allez, go là. Ouais, par contre, ça met un peu beaucoup de temps. C'est ma wifi, hein, c'est... Enfin, ma 4G, pardon. Hop, on va mettre le mortier, il coûte 6, mais bon. Hop là, on va mettre un dragon. Regardez, ça a l'apparence d'un dragon de Clash of Clans. Et il tire, en fait, des trucs de bébé dragon, donc tout à fait normal. On va mettre aussi le canon. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu, donc on va pas le mettre. Vous mettez tour à bombe, hop. Et regardez ce qu'il tire. Il tire des boules de feu, voilà, c'est tout à fait normal. En plus, ils sont chelous un peu les tours. Les boules, pardon. What? What the fuck? Ah oui, le PK qui est sorti en mini PK, d'accord, j'avais pas vu ça. Vous voyez le Zabi qui prend la moitié de la carte, tout à fait normal aussi.
Il mange la tour, ok. Ouh, bien joué. Ça me one shot. Quoi d'autre? Le troll bizarre que j'ai pas très bien montré, donc je vais le remettre. Hop là, c'est parti. Boum. Et vous allez voir, il est vraiment what the fuck. En plus, il est bien modélisé. Et what? What the fuck? Ok, normalement, il lâche des foudres, mais bon. Je sais pas, il y a eu un petit bug, je crois. Oh non, il a mis la sorcière. Oh non. Bon, bah, on est mort. Voilà, vous avez vu, lâche des gens squelettes. Vraiment, what the fuck? C'est vraiment un truc de fou. Hop là. Le canon ne va pas toucher les trucs, pourtant. Bref. Ouh, la bombe. On a la... Ah non, c'est le tour à bombe, c'est vrai. Ouais, faut que je vous montre la bombe. Du coup, on s'est fait matraquer, là, on est mort. Ouais. On est mort. Ah, quoique. Ouais, c'est bon, non, en fait, c'est bon. Par contre, on va prendre extrêmement cher. Quoi? Ah, quand les bombes, elles explosent, ça fait pas de dégâts, d'accord. Regardez le P.K. qui va se transformer en mini P.K. Hop. C'est vraiment beau. On va mettre quoi d'autre? Oh bah la sorcière, c'est parti. Hop. En fait, elle est pas si cheat que ça, en fait. Parce que les bombes, elles n'explosent pas. Oh, bien joué. Oh là là. On va mettre Zappy devant, alors. Oui, en plus, il lâche sa foudre. Go, c'est parti. Hop. Dragon en plus. Boum. Et voilà, tour détruite. Ah, quoique. Non, c'est bon. Ok. Ah si, ça explose la tour, d'accord. C'est pas des petits bugs. Oh, le Neutral Wizard. Oh là. Alors là, il va faire... What? D'accord. Tout à l'heure, il lâchait des foudres et maintenant, il lâche des électrocutions, d'accord. Rien d'autre à mettre. On va mettre le canon ici. Hop. Oh non. Non. Ok, c'est fini. Oh non. On a perdu, d'accord. What the fuck? Ok, d'accord. Bref. On va refaire un dernier petit combat et vous allez voir. C'est vraiment du lourd ce petit serveur privé. Bien sûr, vous pouvez acheter des trucs parce que vous avez GM illimité. Hop. Donc, on n'a pas de légendaire, super. Et vous pouvez acheter de l'or. Mais bon, on a déjà 1 million de pièces d'or. Mais vous pouvez améliorer. Hop. Hop là, j'améliore. Et du coup, maintenant, je peux toujours pas acheter. Hop là, on améliore. On améliore. Hop là. Et normalement, là, je peux toujours... Ah si, c'est bon. Hop. On achète plein. Allez, allez. Ah bah, c'est bon. Ok, on va ouvrir les petits coffres gratuits. On a beaucoup plus de chances d'avoir une légendaire dans un coffre gratuit qu'un coffre super magique. C'est super. Donc, Molos, bon, c'est pas top. Mais bon. On dit pas nous. Hop. On prend... Non. On prend quoi? Ah, la Batcave. Hop là, donc je pense que vous avez deviné déjà. Ça sert à quoi? What? Prends. Hop là, c'est parti. Hop là, on l'améliore. Donc ça fait spawn des chauves-souris, tout simplement. Bon, c'est un peu de la merde. Mais bon. On dit pas non, quoi. On va prendre... Ah oui, le feu à gobelin. Hop là. Donc là, c'est parti, vous allez voir. Hop. C'est parti. On va mettre du temps dans le feu à gobelin pour que vous voyez à peu près ça donne quoi. Là, je pense que vous avez deviné. Hein. Boum, feu à gobelémite. Regardez ça, on lâche 3. Donc c'est vraiment overkill ce truc. Ça fait extrêmement mal. Ouh, par contre là... Ah non, c'est bon. Ou non. Ah non, il a des spawns, d'accord. Donc le molo, c'est le dragon de l'enfer. Vous pouvez pas les faire spawn. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ok, ça va, on a gratté. Ah, trois bombes qui touchent pas, dommage. On est un mortier, alors. Oh non. Canon. Aïe. What? Il lâche. Ok, d'accord. On va mettre la Batcave, c'est parti. Le dragon de l'enfer qui a des spawns direct. Ah, il fait pas de dégâts par contre. Ok, là tiens, un truc pour rien. C'est parti. Non. On va mettre le fût.
Non, pas maintenant. Go. Il dort. Hop, c'est parti. Contre, on va se faire massacrer là. Il y a un géant. En plus, un niveau 8. Oula, attention. Oula. C'est vraiment what the fuck cette tour à bombe. Il est vraiment chelou. On va mettre aussi un canon qui va servir à rien, mais bon. Ah si. Ah non, ok. En fait, il peut pas défendre, c'est chelou. Il peut pas défendre, mais par contre, il peut attaquer les tours. Donc, ok. C'est tout à fait normal. Même si de base, le canon, c'est pour défendre. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, d'ailleurs. Ça doit être chaud. Hop, on met le dragon ici pour défendre. Dans le schéma bas de cave. Hop là. Détruite. Par contre, faudrait défendre là. Hop, on met un mortier. Il a spawn le. Il fait tout. Mais non, mais pourquoi je mets le. Comment ça s'appelle? Le canon. Ah, what? Il attaque, d'accord. En fait, c'est quand il spawn qu'il peut attaquer. Quand il spawn après lui. Mais s'il spawn avant lui, il peut pas attaquer. D'accord. Ah, par contre, là, il va se faire plaisir, le petit dragon. On va mettre un cimetière ici, c'est parti. Hop. Égalité pour l'instant. Hop. On met ici une tour à bombe. Et le dragon. Non. Ok. Ça va, il va pas toucher. Ouh, le dragon de l'enfer qui meurt encore une fois. Waouh, le mortier est très bien placé. Écoutez, on remplit de tours. Hop là. Enfin, si je peux. Ok, c'est mort. Pourquoi je fais ça, je ne sais pas. Pourquoi je fais ça aussi, je ne sais pas. Ok, c'est bon. Je pense qu'on a gagné. Ouais, on a gagné. Ah, quoique. Non, c'est bon. Écoutez, les amis, on a gagné. Donc, j'espère que ce petit serveur privé vous a fait plaisir. Donc, lien dans la description. Si vous voulez le télécharger, après, c'est comme vous voulez. Hop, on va derrière. On va ouvrir deux derniers coffres. Et vous pouvez aussi ouvrir le coffre de tirage, si vous voulez. Hop. Voilà, je prends toutes les cartes de droite. Allez. Oh! Même le cimetière, il est mieux. Ce cimetière-là, j'aurais dit ok, s'il le rajoutait. Parce qu'il fait vraiment mal. Par contre, le cimetière de squelette, c'est de la grosse merde. Donc, ce serait bien qu'il rajoute cette légendaire à la place du cimetière. Bon, c'est un peu chelou, un cimetière à gobelins, bon. Mais c'est pas grave. Ou sinon, améliorer les squelettes pour qu'ils se fassent two shot au moins, puisqu'ils sont one shot au KLM. Donc, ça sert un peu à rien de les améliorer, à part s'ils font plus de dégâts. Mais bon, pas très intéressant. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, bah, vous pouvez mettre un like, vous abonner et partager la vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. Et donc, on va se dire à la prochaine, les amis. Ciao, ciao.